Cette nuit-là, casquette Fall WA USA. Hola. Isabelita? Carinia? Papa? Où es-tu? Je suis à la pêche, dans les montagnes, mon cœur. C'est magnifique ici. Il y a de la neige partout. Il fait si froid que tu peux voir ton souffle. Moi aussi, je veux voir la neige. Bientôt, mon cœur. Bientôt. Qui est-ce, Isabelle? C'est papa. Papa? Je peux lui parler, chérie? Maman veut te parler. Ok. Je t'aime, chérie. À très bientôt, d'accord? Papa, je t'aime. Anton? Ouais. Chérie, tu es... Je vais bien, je vais faire en sorte que ça dure. Alors reste bien chez mamie, je viendrai vous chercher quand ce sera fini. Quand est-ce que ce sera fini, Anton? Je ne sais pas. Écoute, je dois y aller, mais... Je vous rappelle dès que je peux, d'accord? Je t'aime, Miss Yellow. On a retrouvé Wilkins dans la petite ville de Cascade Falls, pas loin de Fort Heller. La ville avait été évacuée peu de temps avant. Il avait été décidé que nous la défendrions en nombre pendant que Wilkins irait se retrancher dans un petit col de montagne étroit plus au sud. Le colonel Sawyer voulait attirer les Russes au centre de la ville où nous pourrions concentrer nos défenses. Mais les Russes étaient très nombreux et il ne restait pas beaucoup des nôtres. Cette fois, nous ne pouvions pas battre en retraite. Si nous partions, Fort Heller tomberait et l'apocalypse ne tarderait pas à suivre. Nous étions bien déterminés à tenir jusqu'au bout. Et même Bannon semblait avoir recouvré ses esprits. Il paraissait plus calme que par le passé, et je me souviens m'être demandé ce qu'il avait en tête. Nous ne reculons plus. Il faut empêcher Ivan d'atteindre Fort Heller. Et qu'avons-nous, question soutien ? L'Air Force a promis autant de missions d'appui au sol que possible, mais ne comptez pas sur elle pour remporter le combat. Je ne vais pas vous mentir, messieurs, les Russes vont mettre le paquet contre nous. Nous devons tenir quoi qu'il arrive. Nous le ferons. Nous venons de loin, messieurs. J'ai confiance en vous et je sais que vous ferez ce qu'il faut quand le temps viendra. Colonel Sawyer, les Russes ont atteint le périmètre extérieur. Ça a commencé. Rejoignez vos unités. Nous allons montrer à Ivan ce qu'il en coûte d'envahir notre patrie. Ok les gars, ça va pas être facile. Nous devons tenir les ponts jusqu'à ce qu'Ivan se regroupe au centre. Et là, on les fait sauter et on recule. Webb, vous avez le pont Est. Bannon, vous avez le pont Ouest. Parker, vous êtes avec Webb. C'est tout, messieurs. Bien reçu, Gueule 6. Bien compris. Alors, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc ainsi, on va reprendre là, on s'est arrêté une dernière fois donc à la mission Cascade Fall, comme vous avez pu remarquer. Donc, économie de combat affichée PV. Maintenir la touche affichée PV, donc de défaut Alt, pour voir la barre de santé de toutes les unités en même temps, c'est-à-dire de manière rapide, de voir l'état de santé de vos troupes. Et surtout, je vous l'ai déjà montré, ça vous permet aussi de savoir quelle unité et quelle unité. Ça peut être très pratique. Donc. Parker, nous n'avons que quelques minutes avant l'arrivée des Russes. Renforcez la défense autour du pont immédiatement. En fait, j'aurais peut-être eu meilleur temps d'appeler des Sheridan plutôt que des Bradley, je suis en train de voir. Bon, j'ai fait une erreur, tant pis. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a à Fort Heller dans le jeu? Une chose toute bête, à Fort Heller se trouve le... Ici Bradley, chef. Le programme de défense aérospatiale, dans le jeu en gros c'est ça, dans lequel se trouve en fait le bouclier antimissile américain. C'est le premier guerre des étoiles qui va en fait aboutir à la chute du RSS à cause de manque de financement. Nous tenons le pont Est, retranchez-vous. Le but de ce projet c'était en fait de créer un, avec un réseau de satellites placés en orbite. En progression vers le périmètre. De défend en fait l'Amérique contre toutes les attaques de missiles longue portée balistiques ou nucléaires qui pouvaient toucher sur son sol. Je ne pensais pas que je pourrais être de ce combat. Je me suis cassé le genou au Nicaragua et on m'a nommé instructeur à Fort Benning. Je suis content d'être là où les choses se passent.
Et donc ce projet en fait, vous mettez en place des satellites dans l'espace, dans lequel en fait ils vont calculer la trajectoire des missiles, déduire tout ça, pour faire le calcul. Et tout ça va permettre de mettre en place en fait, vous envoyez des missiles d'interception contre des missiles qui doivent normalement frapper votre... Eagle 6, le pont est entre nos mains. Excellent, tenez jusqu'à nouvel ordre, Eagle 6 terminé. Donc c'est une technique en fait d'interception de missiles là-bas. Mais ce bouclier anti-missile un bémol, parce que si jamais en fait l'URSS n'aurait pas chuté là, l'URSS aurait bien évidemment mis lui-même pour arriver au même pied. Et le meilleur moyen de détruire ce bouclier, même le seul moyen qu'il y a, c'est de saturer le truc. Donc vous augmentez l'arsenal nucléaire, donc vous en mettez plus, vous saturez le bouclier, donc encore plus d'installations dans les airs. Dans l'espace plutôt. On entre dans le bâtiment. En appuyant sur la touche méga carte, vous accédez à méga carte, ça fait un aperçu pour revenir en mode normal, appuyez sur la même touche méga carte, sinon vous cliquez ici. Hein. Mon colonel, j'ai une concentration d'unités russes en approche. Il me faut du soutien. Ok, mission de tir bien reçue. Garde dessus en réserve. Ici Webb, j'ai des blindés ennemis sur ma position. Bien compris, Webb. Il est essentiel qu'on tienne pendant qu'ils se regroupent. Oui. Parker, je vais les retenir. Concentrez-vous sur le pont. Eagle 6, ici Webb. J'ai des transports de troupes russes qui approchent. Je crois qu'ils vont se déployer dans la forêt derrière le pont. Vous pouvez faire quelque chose? Bien compris, Webb. Je vous couvre. On prend ce périmètre immédiatement. On se met en route. On est en route, chef. Non, le petit problème, c'est que du fait que j'ai pas les... Alors, une infanterie de bazooka ici, c'est très efficace en fait pour dégommer les blindés. Vous êtes en une vie en plus. Donc, comme vous le disiez, le problème de, en fait, de ce projet, c'est si jamais en fait les deux parties se seraient armées de ce projet, et pour réussir. Quand un missile n'y arrive pas, vous en envoyez beaucoup plus. Par exemple, il y a de certains heures qui peuvent, par exemple, balancer une centaine de petits missiles de l'heure. Donc ça fait sensiblement neutraliser, parce qu'on ne sait pas ça à quel qui est juste, justement. Donc ça veut dire, vous augmentez le nombre de satellites, le nombre d'armements, justement, à tirer en même temps. Donc l'arsenal nucléaire va encore augmenter encore plus que ce qu'était. Déjà qu'on peut faire déjà exploser plusieurs fois la planète Terre avec l'arsenal qu'il y avait. Bannon, au rapport. Je vous laisse deviner que l'arsenal gaz ça va être encore pire. Et les assauts russes s'intensifient. Si ça continue comme ça, nous allons devoir nous replier. Compris, capitaine. Mais vous ne devez pas reculer tant qu'ils n'ont pas envoyé le gros de leurs troupes vers le centre-ville. Ici, Bannon. Nous tenons toujours le pont ouest. Les rouges nous attaquent sans relâche, mais nous tenons. Bonne nouvelle, capitaine. Tenez jusqu'à ce qu'ils reculent et se regroupent. Nous le ferons, mon colonel. Bannon, terminé. Bon, vous n'avez pas de véhicule de réparation, c'est le petit problème de ma stratégie là. Mais bon, faut faire avec, hein, faut faire avec. Donc ainsi, le projet, c'est un bon projet à la base. Voilà, vous voulez neutraliser tout ce qui peut attaquer votre pays, c'est... C'est un bon projet, mais c'est très coûteux. Viable, peut-être pas. Parce que une fois que ça atterrit missile, ben après il faut réarmer, donc ça demande encore un immense budget encore juste pour réarmer les... Parker, les Russes concentrent leurs attaques sur le pont ouest. Allez-y tout de suite. Mais gardez quelques unités en réserve sur place. Nous devons tenir les deux ponts encore un peu plus longtemps. On peut tenir. Parker peut rester où il est. Négatif, Bannon. Parker vient vous soutenir. Eagle 6 terminé. Et je vais attendre ça en fait, ça sera pour réparer. Reçu, chef, on fonce. Non, tant pis pour les réparations. Reçu, chef, on prend le périmètre. Tant pis pour les réparations, c'est pas urgent. On va faire ça. Nous sommes parés avec les armes lourdes, ripostez. Nous sommes en combat. Tirez vos missiles, envoyez-les en enfer. Nous sommes en combat. Attaquez les hostiles, ripostez. Envoyez-les en enfer. Ils nous tirent dessus. Plus vite que ça.
Go, go, go! Blindé est prêt. Voilà. Ils ont détruit une de vos unités. On est en route, chef. C'est un peu tendu par ici. Donc évitez de perdre quand même votre soldat en t-shirt de ce côté-là de la rivière, il sera extrêmement pratique par la suite. Donc voilà. Nous sommes attaqués. Donc l'histoire à ce qui se passe, c'est que les Russes en fait ils veulent trouver comment contrer son système de bouclier anti-missile qui se trouvera par moi fort ailleurs. Et pour ça, ben ils envahissent ben, justement le lieu pour l'avoir. Je vais atomiser un véhicule. Donc voilà. À mon humble avis, ce provoquer aux étoiles, c'est plus politique que vraiment une efficacité, que ça aurait été vraiment efficace. C'est à mon humble avis ça, donc après c'est... je peux me tromper bien évidemment. Mais au final, voilà, c'est... l'idée est bonne, mais... je sais pas si... si jamais les Américains étaient au courant que l'URSS avait encore beaucoup d'argent, je sais pas si... Eagle 6, j'ai des ennemis à découvert non loin des serres. Un soutien d'artillerie serait le bienvenu, terminé. Eagle 6, le pont ouest est sécurisé. Bien, tenez le coup. Je crois qu'Ivan est en train de tomber dans le piège. Bien compris, Bannon. Barrage en route, restez à couvert. Tirez sur cette cible, attaquez. Unité anti-char, parée. Infanterie en mouvement. Chasseurs de char, on va en position. Unité perdue. On manque de sang frais dans la bah, ils ont bon, c'est ce qu'il faut neutraliser, donc ne vous inquiétez pas. On voit. Nous sommes en combat. Donc vous voyez, c'est vraiment assez simple. Bon, évitez de économiser vraiment vos unités pour éviter de les perdre. J'ai économisé les points. On est prêt à l'action, je suis cible acquise. Eagle 6, plusieurs sections russes se replient et se regroupent. Compris, Bannon. Ils mordent à l'hameçon. Nous devons tenir encore un peu, et ils dirigeront leurs attaques vers le centre-ville. Nous pouvons le faire, mon colonel. Vous devez le faire, Bannon! Eagle 6 terminé! Transport blindé est prêt! Activation de la fumée à exécuter les ordres! Hostile ciblé, chef! Écran de fumée activé! Donc, à droite, je m'en occupe pas, mais vous voyez que la seconde escouade arrive quand même plutôt bien à finir. Cible ennemie détruite! Unité! Au pire, vous en mettez deux à droite si vous avez peur. Oh, le con! Excusez-moi pour ce vocabulaire, mais j'ai fait une connerie. Vous ciblez tout de suite. On fonce au combat. Heureusement que mes alliés ont des chaparrales pour m'aider. Zulu Niner au rapport, on a des alliés dans le secteur. Les autres seront bientôt à nous. Ils nous tirent dessus. On rejoint le périmètre. Engagez la cible, enlignez les... Ils ont détruit une de vos unités. On prend ce périmètre immédiatement. C'est pas grave. On est occupé. On manque. Je rappelle pas de troupes parce que pour l'instant je vois pas la nécessité de rappeler des troupes en fait. Sheridan, prêt pour le combat. Certes, j'ai les troupes quand même pas mal endommagées, mais bon, je vais encore tout ça en allier ici. Il ne bouge pas. Génial, magnifique bug comme ça t'es en direct. Cible détruite. Quels sont les ordres? Nous sommes en combat! Ici Eagle 6, Ivan se regroupe au centre. Faites sauter les ponts et retirez-vous. On se regroupe au pont nord. Ici Webb, on est en route pour le point de ralliement. Vous vous repliez là. Ici Bannon, on recule! Parker. Webb et Bannon vont combattre Ivan en ville pendant que vous capturez le pont nord. Ce pont est notre seule issue possible. Ivan est tombé droit dans le piège. Maintenant, il faut bien les garder concentrés au centre. Je suis en route. On essuie des tirs. On déplace la T4 à une meilleure position. Attention aux hélicos russes, Parker. Ils vont vous harceler si vous ne les éliminez pas rapidement. Bien vu, Bannon. Parker,
Vous êtes prioritaire pour le soutien AA. N'hésitez pas à demander en cas de besoin. Eagle 6 terminé. Voilà. On va aussi appeler un véhicule de réparation et voilà. Là. Unité anti-char, on peut entrer dans le bâtiment. Ici Eagle 6, on fait sauter les ponts. Assurez-vous qu'aucune de vos unités n'est de l'autre côté, ou elles seront isolées. Prêt à partir. Besoin de DCA ? Affirmatif. Blindé disponible. Affirmatif. Blindé disponible. Bien, Parker. Maintenant, retranchez-vous et mettez quelques mitrailleuses en place. Ils ont détruit une de vos unités. Bon, en fait, l'utilité des camions, bon, ils sont gratuits et surtout, ça vous sert de renforcer les zones. Moi, ouais, personnellement, je n'utilise pas pour autre chose. Réagir, chef. Ennemi détruit. On continue. Donc, voilà. Et vous comprendrez bientôt pourquoi vous avez besoin de cette unité à l'extérieur de la ville, l'infanterie. On commence les réparations. Affirmatif, blindé disponible. Où voulez-vous une couverture de... En route pour la position. Reçu, chef. On fonce. Cible sur la cible. Excellent, Parker. Le pont est sécurisé. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Eagle 6, ici Webb. Les Russes recommencent à attaquer. Bien compris, Webb. Vous et Bannon, vous restez en place pendant que Parker capture le pont. Si on peut les retenir cette fois, on pourrait bien l'emporter aujourd'hui. Cette mission est assez compliquée, quand même. Mais aussi assez simple, une fois qu'on connaît un peu. Donc voilà, le projet des guerres étoiles, c'est ça. Vous avez expliqué en quoi ça recommence. Un groupe de véhicules amphibies russes essaie de franchir la rivière discrètement sur la rive est. Éliminez-le. S'il réussit à passer, il pourra envoyer des informations sur nos défenses à Forteller. Eagle 6, quelle est la situation à l'ouest? Wilkins dit que les Russes utilisent la passe dans la montagne pour attaquer. Mais il les repousse jusqu'à maintenant. Ivan concentre ses forces ici, à Cascade Falls. Tant mieux pour nous, mon colonel. Nous devons en éliminer le plus possible. Tout à fait, capitaine. Mais ne vous relâchez pas. Le gros des forces d'Ivan n'est pas encore arrivé. On soutient les troupes, tirez à l'idée. Voilà. Parce qu'ils vont passer en fait ici. C'est pour ça que j'ai préféré déjà le coup. Ennemi détruit, on continue. Ennemi abattu. J'ai pas besoin de plus d'une DCA parce que vous allez vous fournir aussi. Nous sommes parés avec les armes lourdes. Ces unités n'iront pas plus loin. Je vous donne accès à du soutien supplémentaire. Bon travail, Parker. Eagle 6, ici Webb. C'est sans doute le gros des forces qui se dirige vers nous, mon colonel. Ici Bannon, ils préparent leur attaque. Compris. Tenez-moi au courant quand le gros des forces attaquera. À vos ordres, mon colonel. Webb, terminé. On va regarder le projet des étoiles, en fait, c'est ça. C'est mettre en place un bouclier de défense antimissile. Antimissile. Pour protéger justement le pays. Eagle 6, ici Webb. Nous subissons une attaque de la principale force d'attaque soviétique. On les retiendra pas longtemps. Ici Bannon, il a raison. Ils sont trop nombreux. Oui. En mouvement. Reculez jusqu'au pont tous les deux. Réorganisez-vous autour, Parker. J'ai une petite surprise pour Ivan. On y va tout de suite, chef. Sheridan, prêt pour l'activation de la fumée. Véhicule, on y fonce. On y va. Sheridan est prêt à partir, chef. On a mis en cours les chargements. N'a pas aucun soutien tactique. Ça retombe peut-être déjà une petite idée de ce que on va lui renvoyer. Les voilà. Ne demandez pas encore de frappe d'artillerie. Attendez que je vous en donne l'ordre. Ici Sixpack, on va larguer nos bombes. Mettez-vous à couvert. Ouais! Prenez ça, bande de sales rouges! Restez tous à couvert!
c'est notre tour. Tout le monde contre-attaque au sud. On reprend le centre-ville avant qu'Ivan ne trouve le temps de se regrouper. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Là, vous en avez tout ce que vous pouvez aussi. Vous réfléchissez même pas. On a repris les positions de l'avant. Retranchez-vous, Parker. Voilà. Donc voilà. Je vous ai à peu près dit ce qu'il y avait à savoir sur le premier guerre des étoiles. En avant, maintenant, poussez plus fort. Oui, nous les repoussons. Nous pouvons y arriver. Ne vous déconcentrez pas, capitaine. Je ne pense pas que nous les ayons tous vus. Pardon, en voilà d'autres, mon colonel. J'ai perdu le compte des véhicules que nous avons détruits. Le colonel dit vrai, Bannon. D'autres vont venir. Bien, nous les tuerons tous s'il le faut. Tenez bon. Ils se replieront. Ils n'auront pas le choix. Eagle 6 terminé. Ici Eagle 6. J'ai de graves nouvelles. Nos éclaireurs signalent qu'Ivan a mobilisé au moins 3 nouveaux bataillons blindés dans notre secteur. Nous ne tiendrons jamais contre autant d'ennemis. Mais nous ne pouvons pas nous replier. Nous perdrions tout. Vous avez raison, capitaine. J'ai reçu l'autorisation de demander un raid nucléaire tactique contre les formations soviétiques. Une frappe nucléaire ? Oui, Webb. Ça devrait les briser une fois pour toutes. C'est notre dernière chance. On se regroupe dans l'école, on demande la frappe et on fiche le camp loin de la zone d'impact. Si nous battons tous en retraite en même temps, ils vont comprendre qu'il se passe quelque chose. Il faut que quelqu'un reste pour leur donner le change. Il a raison, mais c'est une mission suicide. Quiconque reste derrière n'a pas la moindre chance de filer à temps. J'ai parlé aux hommes. On s'en charge. Vraiment, Bannon ? Je ne peux pas vous donner l'ordre de le faire. Je comprends. Nous le ferons. Bien compris, capitaine. Parker, Webb, continuez vers l'école. C'est pas possible. Donc voilà, il y en a qui se dépêchent un peu, mes troupes. Bah, il y en a certaines qui sont un peu buggées, ça c'est des petits bugs qui arrivent. Redéploiement du lance-missile AA en cours. Parker, ne vous laissez pas distancer, continuez d'avancer. Et pour information, une unité endommagée se déplace beaucoup plus lentement qu'une unité non endommagée. Pour votre protection, chef. Bon, ça, je pense que vous en êtes rendu compte. Ok, tout le monde. Bannon, vous envoyez les coordonnées et Parker les renverra au centre de commandement des missiles. Redéploiement aux coordonnées. Embarquement dans le transport. Tout le monde. Je vous envoie les coordonnées, Parker. Ne merdez pas. Le QG signale que le missile a été tiré. Dieu nous pardonne. Bon, je vous laisse avec la cinématique. Mike, où es-tu ? Mike ! Allez, vite ! Mike, on doit partir, bordel ! Allez, allez, allez ! Mike ! Vite ! Allez, on y va ! Mike ! Mike ! Ils recommencent à attaquer.
aériennes avec des T-80, des BTR et des BMP. Il y a aussi de l'infanterie qui se déplace de maison en maison. C'est la grande offensive. J'ai perdu la deuxième section et presque toute la troisième. On tient le coup, mais il faut une percée. Je vais essayer de les attirer vers moi. On ne va pas tenir très longtemps. Compris, capitaine. J'apprécie ce que vous faites. Colonel, je vous présente mes excuses. Inutile, capitaine. Ce fut un honneur de servir à vos côtés. Merci, mon colonel. Banane, terminé. Bon, ben, nous avons quand même réussi à gagner, hein. Mais à quel prix quand même? L'offensive